Je vous l'ai déjà dit, il m'était arrivé une expérience dans la ville de Perpignan. Dieu m'avait envoyé là-bas il y a 25-26 ans environ, je crois. Hein. Et j'étais dans une caravane et je vous promets que je n'avais pas à cette époque-là beaucoup d'argent pour rester encore. Et je suis resté dans un endroit que un homme de là-bas m'avait prêté un terrain qu'il avait, qui s'appelle Ramonette. Et là-bas, j'avais deux frères avec moi. Et ils m'avaient plaqué, j'étais parti, ils m'avaient laissé tout seul. J'étais découragé, réellement. Alors je m'étais réfugié dans quoi? Dans la prière. Je me levais la nuit et je marchais dehors la nuit pour prier à cette époque. Et je priais. Et même dans la prière, j'étais découragé, n'est-ce pas? Et un soir, j'ai entendu une voix. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. J'ai entendu une voix qui m'a réveillé. Yahweh Nissi. Yahweh, je savais ce que ça voulait dire. Ça veut dire Dieu. Hein? Mais Nissi, ben, je dis, je me fais des idées. Je suis en train, je rêvais. Mais comme ça, hein? Bon, non. Et puis je me suis certainement endormi de nouveau. Et le matin quand même, je dis, je l'ai entendu. Pourtant je l'ai entendu, je suis sûr. Mais non, Manico, notre voix t'a rêvé. Et, enfin, la voix à moi-même, hein. Pourtant, je l'ai entendu. Et je regarde, j'avais un camping, une caravane, j'étais là, étendu, et je vois en haut de l'armoire un livre. J'ai dit, bah, tant pis, je vais regarder. Mais je vous le dis sincèrement, sans aucune foi, mais aucune, hein, 1%, rien, comme ça. Tant pis, je vais regarder. Parce que j'ai quand même entendu une voix. Je regarde et je tombe sur les noms de Dieu, Yahweh. Et je vois Yahweh Nissi, l'Éternel, ma bannière. Ah, je vous promets que ça m'a fait un effet. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas que Dieu soit loué. Dieu me montrait qu'il y aurait la victoire. À partir de là, il y a eu Église. À partir de là, il y a Béziers. Et à partir de là, il y a eu pas mal de choses, quoi. Hein? Alléluia. Tu tiens ce drapeau dans tes mains, ma soeur, comme un guerrier, comme les tambours qui le portaient autrefois, à bout de bras pour que l'ennemi le voie. Et vous avez vu, quand il y a guerre entre deux nations, ou guerre, eh bien, quand un peuple ou une nation triomphe, qu'est-ce qu'ils font la première des choses, au plus haut des toits? Qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent leur drapeau. Pour qu'ils te voient bien qu'ils flottent dans le vent. Tu as le drapeau du roi des rois, du vainqueur des vainqueurs. Tu es une guerrière, tu es un guerrier. Alléluia!